Merci. Good job. Il a tout lâché les doigts de la main. C'est fou, là. Dans le fond, c'est de montrer que c'est plus payant de donner son os ouais. que de le garder. Mm. Yes. Yes. Bon, tiens. Bon. Yes. Tu as jamais, il y avait. Ils vont rechuter, là. Ils vont leur faire. Yes. Yes. C'est donc avec l'autre, le petit. Parce que là, je pense que. Yes. 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 Chien. Yes. Chien. Yes. Regarde, même plus son os. Non, là, c'est toi qui es devenu son centre d'attraction. Yes. Pendant la première séance, 3-4 fois, il a arrêté de mordre la main. Juste ça, hein? Juste ça. Donc, en séquence, peut-être 3-4 séquences où il a fait ça. Là, il n'y avait pas la gueule ouverte de même, il était pas aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, toi, il était agressif au bout. Yes. Pendant 1 heure de temps. C'est la peur, ah, de, oui. C'est la peur de perdre. La peur de perdre ses ressources aussi. Yes. Un beau chien, ça. Ah, mais yes. Je suis contente de voir ça. Mmh. Yes. Il est vraiment intense. Mon chien. Hein? Il est vraiment intense. Mon chien. Ouais. Yes. Un beau chien. Yes. Chien, oui. Après ça, on va pouvoir revenir avec les saucisses à terre. Les saucisses? Ouais, parce que j'ai dans mes poches. On va réussir à aller chercher la saucisse sans cristal. Yes! Ou la bouffe, peu importe quoi. Yes, mon chien. Yes. J'aime bien sa position présentement. Plus du côté, les pattes entre-ouvertes, la gueule ouverte. Yes! Mon chien, baby! Hey, allez, les autres, ils ont rejoint us? Allez, là, baby, yes! Mon chien.
sais, parce que tes bonbons sont traités de sexe. C'est ça. C'est le pas plus payant. Et puis, c'est encore que quand il donne son os, c'est payant pour lui. Yes, bouché. Si tu prends mon char, mais tu me donnes une corvette à la place. Prends-les, mon char. Je vais te donner mes clés, moi. Le chien, pour lui, c'est son char. Puis moi, je lui donne une clé de corvette. Fait que, le chien, lui. Tu dis, il va prendre ton steak caché, il va te donner un filet mignon. Cool, c'est un bon échange. Yes. Chien. Tu sais, des fois, je le fais pratiquer. Je le fais pas souvent, là. Je mets un morceau de biscuit entre mes. Yes. Mes quilles, là. Et je dis, non. Tu veux un reste, là? Tu restes là, moi. Ouais. Mais yes. Ça marche une fois sur deux. Oui, il a changé. Yes! Là, je vais remettre la main au-dessus de son os. Ah, il a changé? Il y a eu une petite affaire. J'ai mis son os vraiment disponible. Il est un peu proche de moi aussi, j'aime pas aimer ça. Yes! Chien! Pousse les os. Bon, je vais attendre, c'est moi qui ai. Je ne veux pas que je lui demande de s'approcher. Ici, mon bébé. Ça ne fait plus. Là, c'est fait. C'est bien. Parce qu'il me fait là, mais pardon. Yes, mon chien. Je suis bien content. Tu n'y es pas couché là. Ah, tu vas être un fou bête. Yes. Faut pas. Mon but n'est pas de le faire partir, de le starter. Réaction. Mais c'est rien de comparer à ce que j'ai entendu. L'autre jour, là, j'avais le cœur comme ça. Ben, j'imagine. C'était... Il me faisait peur. Ah, ben, c'est sûr. Ben, écoute, yes. Mais vous, vous avez jamais fait ça? Mais l'autre fois, il a fait des dents. C'était de ce qu'il vient de se mettre. Non, il vient de repartir, tu l'avais dit. Il se sait, c'est ça? C'est pour les. C'est le commandement résiduel, c'est sûr. Il ne faut pas guérir en deux séances. Après ça, ça va demander, ça va être toi qui va avoir la main des mains, ou ça va être toi qui va avoir la main des mains, parce que je veux que tout le monde puisse le faire. Yes. Comment le bébé? Viens ici. Mettons l'autre des os. Viens ici. Ça n'aurait pas marché, j'aurais fait ce soir, j'aurais fait une autre séance. Puis si j'avais pas vu d'amélioration comme je vois ce soir, je l'aurais fait plutôt. Yes. Yes. Juste avancer ta main. Juste pour que tu plus la main dessus. Tiens. OK. J'aurais désensibilisé plus graduellement. Là, j'ai travaillé avec l'immersion un peu. L'immersion avec l'extinction, c'est-à-dire que je prends la main là, t'as beau mort, t'en reste dessus pareil. Ouais. Je n'enlève pas ma main. Ça marche plus, là. Ouais. Tu sais? Ça marche plus. Je me sauve pas, ça fait pas peur. Ça marche pas ton affaire. Quand tu arrêtes de faire le fou, ben t'es récompensé. Mais là, son comportement résiduel, dans le fond, il est venu. C'est-tu à cause du fait que là, il se dit, je m'essaye, je peux rien à perdre? Ou... Non. C'est juste que c'est un conditionnement que lui, il a maintenant, quand on t'arrête de le déconditionner. Je dis, un comportement résiduel, c'est plus ou moins ça. C'est plus la continuité de son comportement. Mais il reçoit toujours que ce chien-là a un moment de stress intense. Il peut refaire ça. Dans un autre endroit, dans l'environnement, elle a fait un petit bordé, il y a 5-7 petites personnes à la terre, là, qui échappe son morceau de poulet à terre, on ne sait pas le chercher. Là. Ça va être une gestion de l'environnement pour toi, c'est-à-dire que quand tu recevras du monde. Tout bien. Quand tu recevras du monde, même comme beaucoup de monde à souper, que tu sauras qu'à soir, je surveille pas mon chien à soir. Tu as deux choix. Tu mets dans une lumière ou tu mets dans sa chambre. Mais pour le restant de ses jours? Pour le restant de ses jours. Ah oui? Ouais. Quand j'arrête de fumer pendant 10 ans, ok, mettons, j'arrête de fumer pendant 10 ans, j'apprends que j'ai le cancer. Je viens super stressé de recommencer à fumer. Je fume plus, ma blonde me laisse, je recommence à fumer. Même si ça fait 20 ans, j'arrête de fumer.
sais, c'est un comportement rituel qui reste dans ta tête, qui t'amène, qui t'amenait un certain réconfort. Parce qu'il amène de quoi il voudrait faire ça. Yes. Ça fait toujours une possibilité qu'il répète un comportement. Yes. Bon, chérie, je ne dis pas ça de mon gars. Ben non, c'est sûr. Il faut que tu sois intelligent. Je sais que tu l'es. Oui. Arrête de faire de materner. Arrête de materner. Non, c'est un chien, puis il faut qu'il reste un chien, puis c'est pas un enfant. Moi, mon père, il m'attachait quand j'étais petit cul, parce que j'étais un mongol, mais je courais dans le bois partout, moi, je faisais faire pas tout le monde. C'est un sérieux, j'ai trouvé mon attelage, un moment donné, quand j'étais plus jeune, plus vieux un petit peu, mais il m'attachait, avec vraiment un attelage, avec un slap dans le dos. Mais Chris, t'as pas besoin de la vie. Et j'en veux pas aujourd'hui pour ça. Ouais, mais ton pas, chien, c'est pour lui sauver la vie, ou il m'attache plus aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait des muselières une fois de temps en temps dans sa vie. Là, ça va peut-être bien sauver la vie. Parce que s'il meurt quelqu'un gravement, ouais, t'es prêt à faire une maladie. On veut pas ça. Yes. Intelligent, pareil. Moi, ça va bien. Ah, pas du chien.